Louisa Carbori, vous allez présenter Zurekin dans le quintet dimanche à Auteuil. Qu'avez-vous pensé de sa dernière sortie sur cette piste? Je pense qu'on a été un peu chaud avec lui. Il a été monté un peu trop offensif. Et je pense que le cheval lui-même, il n'a pas forcément déçu, mais on était déçu des résultats. D'accord. Je pense qu'il faut changer un peu de tactique. Donc il ne faut pas trop le juger là-dessus, quoi, alors. Je pense qu'on peut améliorer ça beaucoup si on fait un parcours un peu différent. Et est-ce que le fait d'avoir les œillères, ça l'a rendu un peu plus allant autrement ou pas vraiment? Non, je pense pas. C'est aussi ce que j'avais demandé aujourd'hui. Mais lui, il trouvait très très bien. Mm. Mais il a voulu tenter un peu de monter un peu plus offensif que d'habitude. Mm. Et peut-être que c'était pas qu'on va refaire, on va dire. Est-ce que... avec les œillères, il était pas trop. Il n'a pas trop fait non plus. Du coup, vous lui remettez les œillères, alors? Oui, je pense que ça, par contre, je pense que ça, c'est quelque chose qui l'aide à rester intéressé dans d'accord. le parcours et mieux suivre. De toute façon, là, il y aura 300 mètres de plus, donc ce ne sera pas plus mal d'attendre, quoi. Oui, exactement. Tu as tout à fait raison. C'est exactement ça. Et le cheval, il n'a pas besoin d'être monté loin, mais il faut attendre un peu avec lui, parce que c'est pas un cheval qui finit bien, mais pas pour longtemps. Si d'accord. Donc, ça change de vitesse sur pas longtemps. Donc, du coup, on peut compter sur lui pour le voir bien courir cette fois-ci. Écoute, on verra bien. Après, quand ça se passe mal, c'est toujours important qu'on remette les choses dans le bon sens. Donc, on ne sait jamais, mais le cheval paraît bien. Je pense que le terrain, ça ne va pas être un problème. Je sais ce qu'il fait. Et comment améliorer la dernière fois, surtout. Donc, écoute, on verra bien. D'accord. On va faire au mieux.